Tiens donc, qu'est-ce que vous faites là? Merveilleux jeu d'acteur. What's up boys, comment ça va? En toute tranquillité. Mesdames et messieurs, avant que cette vidéo commence, je vous invite à prendre un petit plaid, à prendre un petit chocolat chaud, un petit thé, un petit café, tout ce que tu veux. Mets-toi en mode Netflix and chill, pose-toi tranquillement et puis écoute cette story time que je vais te conter. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de mon premier court-métrage, puisque tout ne s'est pas bien passé. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, il faut savoir ce qui s'est passé au tout début. Pourquoi j'ai voulu me lancer à faire un court-métrage. C'est très simple. En janvier 2018, je décide de m'acheter un appareil photo. Je sais pas pourquoi, j'ai pas demandé ça à Noël. Me demandez pas, je ne sais pas. Je décide de m'acheter un appareil photo. Il m'a coûté 400 et quelques euros, je ne sais plus exactement. Un petit trépied à côté, parce que je voulais faire des photos. C'est quelque chose que je kiffais de ouf. Donc je commence à faire des petites photos. Voilà, par-ci par-là, je commence à prendre mes potes en photo. Voilà, je m'amuse un peu avec. Mais je me dis, il y a autre chose à faire que de prendre que des photos. Donc je commence à m'amuser avec le mode vidéo de l'appareil photo et je me dis, il y a quand même quelque chose à faire, tu vois. Je me suis dit, t'imagines si je ferais un court métrage? Et ouais. Et cette idée, elle m'a trotté dans la tête quand même, tu vois. Et je me dis, ça se tente quand même, hein. Et effectivement, ça s'est tenté puisque j'ai décidé de trouver une idée pour ce court métrage. J'ai commencé à l'écrire, du coup. J'ai demandé à quelques potes, est-ce que tu peux être le rôle principal? Ainsi que Romain, est-ce que tu peux être le rôle principal? Est-ce que je peux avoir du monde pour cadrer? Est-ce que je peux avoir des figurants? Est-ce que je peux avoir des acteurs secondaires? Voilà. Tout ça commence à se mettre en place. Vraiment, l'histoire commence à prendre. On commence tous à être hypés parce que j'ai raconté l'histoire. C'est quelque chose qui inspire un peu les gens, tu vois. Ils étaient pas contre, l'idée était assez bonne. Mais je me dis, je vais avoir peut-être un problème de matériel. Déjà, j'avais pas de micro sur mon ancien appareil photo. Mais du coup, c'était pas si problématique que ça. Puisque pour le court métrage, j'avais pas besoin de son. Voilà, c'est un court métrage chanson. Mais je me dis, ça va être compliqué de filmer en tenant l'appareil photo. Et du coup, je décide d'acheter un stabilisateur caméra. 500 euros, il m'a coûté un beau budget. Mais j'avais envie de mettre le prix pour avoir un court métrage de qualité. Donc je me suis dit, j'ai tout. Je commence du coup à poser les dates dont j'ai besoin et à essayer de réserver les lieux dont j'ai besoin. Et pour ce court métrage, j'ai besoin d'un bar. Donc ce que je fais, c'est que je contacte le bar qui est proche de chez moi. Je leur dis voilà, je souhaite réaliser un court-métrage et j'ai besoin d'un bar comme lieu de décor. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas assez d'argent pour me créer un décor moi-même. Donc, est-ce que je peux utiliser votre bar comme lieu de tournage? Et du coup, un gars, je pense qu'il s'occupait des réseaux sociaux, il m'a pris mon numéro de téléphone, il l'a donné au grand patron. Le grand patron m'a appelé et il m'a dit pourquoi tu voudrais tourner. Et donc du coup, je lui ai expliqué un peu l'histoire. Je lui ai expliqué que j'étais passionné, que vraiment je m'étais lancé à fond dedans maintenant. Et il m'a dit, écoute, moi je suis entièrement d'accord. Juste, tu vois à quel moment tu peux passer au bar pour qu'il y ait le moins de personnes possible que tu puisses déranger et que ces personnes-là ne te dérangent pas pendant ton court-métrage. Et surtout, les personnes qui seront présentes dans ce bar, il faut absolument que tu leur demandes leur autorisation pour passer à la caméra. Et du coup, le gars, je lui dis, aucun problème, c'est noté. Donc du coup, j'avais un lieu. Et quand j'ai dit ça à tout le monde était hypé et tout le monde est genre en mode, waouh, mais là, t'as vraiment pris... T'as upgrade, tu vois. Genre vraiment, c'est trop stylé de filmer dans un bar qui est déjà fait, tu vois. Donc du coup, j'ai réservé une date pour tourner dans un bar. Mais avant, il fallait quand même que je tourne quelques plans au niveau capillaire, voilà, et au niveau barbe aussi. Donc, je pars avec trois amis en forêt. Les gars, je suis désolé, parce que du coup, on est passé par des chemins pas forcément adaptés pour des voitures. On a frotté des ronces et tout le bordel. Ouais, mais on a quand même passé un très bon moment, on a bien rigolé sur ce coup-là. Donc, vient le jour où toutes les personnes sont réunies. Tout le monde peut, ce jour-là, venir tourner au bar. On se déplace au bar, on commence à faire les petits plans. Je réalisais aussi ce court-métrage, mais du coup, je pouvais pas être derrière la caméra. Malheureusement, réaliser et être au premier plan, ça me fait perdre beaucoup de temps puisque à chaque fois, je suis obligé de regarder le plan pour savoir s'ils sont bien et si les mouvements sont bien effectués. On tourne ce qu'on a à faire, très bien. On tourne les plans qu'on a à faire dehors, très bien. Je pense du coup qu'on était un bon trois quarts des plans qu'on avait besoin pour le court-métrage. On arrive à la maison, chez moi, j'avais besoin de faire les plans qui me restaient. La plupart étaient vraiment à la maison. Mais sinon, je pouvais en tourner aussi, mais tout seul. Là, pour le coup, j'avais juste besoin d'un pote qui me filmait, mais sinon, je pouvais le faire tout seul. J'ai pas besoin de toutes les personnes présentes, les figurants et tout le bordel. Donc, on va chez moi, on commence à tourner, sauf que problème, il me reste 2-3 plans, mais la batterie lâche. Plus de batterie, on avait quand même pas mal tourné avec, elle lâche. Et donc, du coup, je dis, bah, restez. Par ici, on attend que la batterie se recharge au moins pour 10 minutes de rec et après on fait les plans qui nous restent à faire. Et donc pendant ce temps là, je dis, est-ce que du coup on se retrouve demain et on finit ce qu'on a à faire, comme ça moi après je peux entamer le montage et finir les plans que j'ai à faire tout seul ou avec mon frère pour me filmer ou avec quelqu'un qui est dans le coin quoi. Vraiment le plus important c'est les plans du lendemain et je sens qu'ils sont un peu fatigués. Donc je suis pas méchant mais je leur dis, bah écoutez, y a pas de problème, on se cale ça la semaine prochaine, samedi prochain on cale ça, comme ça on finit ça impeccable, tout est fait.
basta. Plus qu'à tourner 2-3 scènes et c'est bon. On tourne les scènes qu'on a à tourner. Je leur dis, bah, du coup, je vous paye quand même à bouffer le soir. Et vraiment, je sentais qu'ils étaient fatigués parce que, bah, du coup, mon cadreur portait le stabilisateur. Il est assez lourd parce que t'as le poil de la caméra, le poil du stabilisateur. Et en plus, ça bouge, donc c'est très très chiant. Tourner, c'est fatigant. On n'a pas l'impression, mais tourner, c'est très fatigant. Donc, du coup, tout le monde est fatigué. Il y a aucun problème. Le lendemain, je commence déjà à monter mes petits plans. Mais je suis pas si fier de ça parce qu'il y a un point que j'ai oublié. Les lumières, espèce de con, bah. Maintenant, quand j'y repense, parce que pour moi, c'est logique, tu vois. Dis-toi que pour ma chambre là, j'ai 3 lumières devant moi. Et j'en avais aucune pour le tournage. Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de grain pas beau. Et l'image est pas très très belle à l'écran. Dommage. Vraiment, vraiment, c'est dommage. C'était assez compliqué et les plans étaient pas vraiment de bonne qualité. Parce que, bah, du coup, on était quand même des amateurs. C'est la première fois que je faisais ça. J'ai tourné le court-métrage, peut-être 4 mois après que j'ai eu mon appareil photo. Donc, je pense que j'ai brûlé un peu les étapes. Donc, voilà, les plans sont pas terribles, terribles, mais ça va. C'est potable. Et ce qui se passe dans la semaine d'après, c'est que mon actrice, elle m'appelle et elle me dit « J'ai des soucis familiaux. Je suis obligé de partir à Paris. » Et là, le hic. Puisque du coup, je ne peux pas finir mes plans. Je suis bloqué vu qu'elle part. Donc du coup, on est obligé de reporter ce qu'on a à faire. Je tourne même pas les plans qui me reste à faire tout seul. Je reporte, mais je peux pas lui en vouloir parce que bah c'est pas de sa faute. Ok, d'accord, y a aucun problème, c'est pas de sa faute. Je me dis peut-être que du coup, aux prochaines vacances, elle pourra revenir sur Rennes. C'est compliqué, elle me dit qu'elle peut pas. Je commence du coup à changer le scénario, à modifier 2-3 trucs. Comme ça, je peux garder quelques plans et en refaire d'autres et modifier et changer d'actrice. Ça pourra pas tant poser problème que ça. Je trouve une autre actrice qui est d'accord. Sauf que le problème, c'est que toutes les possibilités qu'elle avait, elle, ne collait pas avec les miennes. Donc du coup, impossible. Et l'un des plus gros problèmes qui se passe, c'est que du coup, je devais déménager aussi. Plus lieu de tournage, plus d'actrices, plus quoi que ce soit, poubelle. On arrête tout. Tant pis, en plus, les plans n'étaient pas de bonne qualité, donc c'est pas de la très grande perte. J'ai quand même remercié toutes les personnes qui étaient présentes sur ce tournage, toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont envoyé leurs idées. Je remercie mon caméraman, l'actrice qui est partie à Paris. Je sais que ça tenait à cœur aussi de tourner ce court-métrage, mais bon. Voilà, malheureusement, les aléas de la vie ont fait que non, on ne pouvait pas finir ce tournage. Donc, tout s'est passé très très vite. Et tu te dis que si le lendemain, on aurait tourné, le court-métrage aurait pu sortir. Mais au final, ça n'aurait pas été si qualitatif que ce que j'ai fait. J'ai quand même envie de vous sortir un travail de qualité, tu vois. Et maintenant qu'on arrive à la fin de cette story time, est-ce que vous vous rappelez qu'au début, j'ai dit qu'il y aurait un court-métrage ? J'ai envie de me lancer sur YouTube pour aussi ça, pour avoir assez de visibilité, pour que les gens y voient un beau court-métrage. Est-ce que vous vous rappelez aussi dans la vidéo questionnaire que vous voulez voir des courts-métrages ? Un court-métrage ou un podcast ? Alors évidemment, tu vois, l'un des deux. Je vous l'ai dit au début que je voulais absolument faire un court-métrage, ok ? Et bah faut s'attendre à ce qu'il y en ait un. Ça je peux pas... On parle de court-métrage depuis le début, c'est sûr il y en aura un. Eh bien écoutez, mesdames et messieurs, pourquoi je fais cette story time maintenant à l'heure actuelle ? Parce que samedi sort un making-of d'un court-métrage qui sortira mercredi prochain. Vous faites ce que vous voulez de cette information, juste on se donne rendez-vous samedi, et le court-métrage sera mercredi. Donc c'est d'ailleurs qu'une semaine après cette vidéo-là, vous aurez le court-métrage. Et que l'avantage là-dedans, si vous voulez pas du tout vous spoiler du court-métrage, vous serez pas obligé de regarder la vidéo de samedi. Par contre, si vous voulez un peu savoir le décor, mon accoutrement et tout le bordel, vous pouvez regarder le making-of samedi. Mais vous aurez pas tout, hein, ça c'est clair, vous aurez juste le tournage à peu près, les coulisses sans trop en voir, voilà. C'est dit, vous ferez ce que vous voulez. C'est pour ça que je voulais sortir cette story time. Comme ça, vous êtes au courant que mercredi prochain, il y a mon premier court-métrage qui sort. Et c'est particulier, vraiment très très particulier. Vous comprendrez pourquoi samedi. En attendant, lâchez un pouce bleu, un commentaire. Vous pouvez partager la vidéo. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? Activez les notifications aussi. Parce que si tu n'actives pas les notifications, mercredi, tu vas oublier qu'il y a mon premier court-métrage qui sort. Et ça, c'est pas bien. Et tu sais pourquoi il faut faire ça ? Tu le sais pas. Bon, je le répète assez souvent quand même pour savoir que ça ne mange pas de pain. Ça ne mange pas de pain. On se retrouve samedi pour un making-of particulier et aussi un court-métrage particulier. Sur ce, on se laisse là-dessus. Bisous à samedi ou à mercredi. Mais mercredi prochain, soyez présents. Ah oui, au fait, le court-métrage là que je viens de te parler et toutes les scènes que t'as vues, on le refera un jour. On le refera, promis, j'aurai craché. On le refera, en mieux, sans galère. Alors reste connecté, s'il te plaît.